Bonjour, bonsoir à tous les amis on TV News qui toujours été connecté ensemble avec nous. Eh bien, nous tournons encore une fois pour nous porter une nouvelle vidéo pour nous qui est vraiment triste. Côté bandit arrivé, pété cervelle, un inspecteur de police, encore une fois, eh bien, sans continuer à couler dans tête police nationale là, eh bien, bagala vraiment triste côté inspecteur ça t'a pas dans une rencontre ensemble avec yon sel et eh bien l'idée son machine là l'acheter yon papa d'ap et eh bien sorgue pourtant dia bandi arrivé sacrifié plus que 10 cartouches mes amis bagala vraiment triste insécurité a pas suspend valé terrain dans pays a qui côté ça va aller comment qui est bagay ça va suspend dans pays a côté malheureux, même moun ka il a pour bay moun sécurité, yo même yo pas en sécurité dans le pays, ya, et bien, sans même yo, moi invité nous suivre avec moi comment ça t'a déroulé dans le journal là. Rete branché, on TV News pour l'autre numéro. Bal bandi moun pa rive identifié ayer dimanche là, Zak si la passé bon 3 heures comme ça en bas pompe Saint-Thérèse qui dans commune nan Juvenal dans commune Pétionville, dans sens ça Jean-Philippe Masséan t'est déjà font coup de pied en écouter comment yon seul qui c'est Marie Chimène Rwende t'a demandé justice l'été dans micro Jean-Philippe Masséan. Oui, m'ta bel tout à l'heure là, la peine saute la ca là. Non réunion vinal, nan Guatemala et puis li campé machine là, li vient on papa d'après quoi papa d'après la main. Et puis ba li 19 cartouches, un inspecteur police, c'est les René Jean Ali. Mais nous pas connait dans affaire mon rien. Non, seulement nous connait zone nan té bandi té prendre c'est lui même qui t'établit la paix qui fait tout pour te retourner pour passer et ça sont ça criminel, c'est pour bandi a. C'est pour la police qui travaille que René Jean-Alix ne peut pas mourir comme ça. C'est très propre, c'est lui-même qui mettait la paix, qui fait tout le monde en bas Juvenal. Il pas de bandit, ça devient pire que si tu es sur les zones. C'est lui-même qui gourmet à bandit, qui fait que tout le monde déserte, qui est des zones. C'est lui-même qui te gourmet à bandit, qui fait bandit sortir, ça c'est ça, bandit. Et pour que les c'est même monde ça, c'est même eux même qui toujours derrière elle qui tue là. 19 cartouches sur la terre là. 47 ans. Libère 2 janvier 72. Voilà, Romanès, nous t'attendons Yonce et inspecteur Al et Jean-René Alix. Marie-Chimène René. Voilà, Marie-Chimène René qui fait qu'on est que bien et Mounio Baribé identifié. Tout est frêli et yo bal 19 cartouches ça l'issue est certain que quel que soit mon expert en question dans domaine zam dans domaine sécurité ka comprendre ça son exécution en façon non yo vinn touyer parce là. Que 19 cartouches c'est pour dire que yo pas vle bay ou pas ka sauver oui ou pas gen chance même yo pas quitter ken porte ouverte en ken fenêtre ouverte au moins pour d'aller ta courir l'hôpital ou mota ba inspecteur bagay avec 19 cartouches c'est vraiment et exagéré par rapport avec m'ta capable dit pour montrer que comment monsieur qui vient commettre action yo il pas une belle chance avec inspecteur mais information qui arrive jeune nous là dans salle nouvelle là au matin samedi dans même dossier ça dossier dans mon inspecteur il y a une situation circulation li vraiment difficile dans niveau canapé vert d'après toute information d'après constat collaborateur nous yo fait Bana Daniel précisément côté habitants dans niveau zone des Bois à Juvena, yo dressé barricade enflammée et puis mettez roche sous tout là, ça qui la cause que machine, quelle que soit machine n'a pas ka passer et dans niveau des Bois dans niveau Juvena pour matin là et m capable dit même presque toute journée parce que pas je connais cette situation lui même pas rété comme ça, mais constat dit clair d'après collaborateur nous Bana Daniel un bien quelle que soit machine cap monter des cap descend cap pour passer dans niveau route canapé vers niveau Juvena des Bois ou pas quatre traverser c'est qui la très difficile, même impossible, même parce que il y a une barricade qui dressé dans le niveau de la zone. On a rappelé l'information que je nous fais connaître Alix Jean-Renil était affecté dans le commissariat Pétionville avant même il était transféré dans le département Grand dans ce pays. Le policier a gagné 47 l'année. Inspecteur Alix Jean-Renil qui lui-même. On a rappelé ça, quitter et bataille en pile dans Juvena pour te mettre la paix dans le mouvement que bandit.
te acheté zone ça là. Jean content, c'est après bataille ça yo, inspecteur Alix lui-même, li t'a pral joindre transfert dans département Grand'Anse, li te bataille en pile pour te mettre la paix Juvena. Et ben hier, li te vinn dans une réunion dans l'école Guatemala Courea. Oui, d'après ça. Et puis justement après, li rivé en bas pour plan le descendre justement pour la mettre un papadap. Et puis c'est là individu envahit. Mais si vous besoin d'aide ben yo, dit clair. Si vous besoin d'aide ben yo, gen système pour ça. Gen système pompe ça, n'a pas là gen système. Depuis vous besoin d'aide yo, y a ben yo. On a toujours été avec la question phénomène insécurité pour policiers qui pas suspend perdit la vie sorti mois janvier pour arriver mois mai 2019 là pour pipiti 19 policiers tombés vient ajouter avec inspecteur qui fait moi ça fait 20 si d'après toutes les données en babal leg exam d'après information directeur exécutif RNDDH là Pierre Espérance acquis responsable journal état il dit qui pas caché qui caché et derrière remonter zak banditisyon dans pays là dans ce sens défense droit mon demander population haïtienne pour lever camper en façon pour permettre autorité on a l'état rétablir la paix dans toute racoin dans pays d'Haïti en côté directeur exécutif réseau national cap défendre droit mon yo RNDDH a nous voulait parler de Pierre Espérance l'état répondre question collaboratrice non Germina Pierre lui et insécurité a li touché toute couche dans la société a li pas épargné même la force publique c'est la force publique que nous gagnons dans pays qui c'est la police nationale là en pile policier tombé en bas main bandit sans foi ni loi yo pas jwenn aucune protection de acteurs dans chaîne pénale là ni autorité politique yo pour sortir janvier pour arriver mois de mai pour pipiti gen 19 policiers qui mouri en babal bandit sans foi ni loi sans compter depuis novembre 2018 massacre a fait dans quartier populaire yo autorité politique yo pas jamais dit rien acteur dans chaîne pénale là pas jamais dit rien jodi a la vie moun pa aucune importance pour autorité qui sous pouvoir yo banaliser la vie moun a mouri tant coup bête qui a tué dans l'abattoir viol kidnapping retourner et pirade exécution sommaire et disparition et autorité yo mette l'argent zam nan men bandi nan quartier populaire tant coup barbecue pour terroriser population. Jouma dit 21 mai 2019 là, gen un policier qui affecté dans Simo qui mouri dans Delma 2, c'est Ganga et Barbecue qui tué lui. Barbecue c'est Jimmy Cherizier, un ancien policier qui après recevoir l'argent dans ministre intérieur, recevoir l'argent zam avec cartouche pour terroriser population dans quartier populaire dans capitale là. Sorti novembre 2018 pour y venir aujourd'hui, nous pas raconté quantité moun bandi sans foi ni loi a violé récemment là, jeudi a fait 8 jours, vendredi et dernier, vendredi qui était 17 mai 2019 là, gagné deux jeunes filles, deux jeunes étudiants dans université Kiskeya qui ont violé et qui pas loin université là. Et c'est même jour ça Kiskeya t'a fait un débat sous question gouvernance avec sécurité. Et victimes yo traumatisé, yo peur parler et yo pas gain confiance dans autorité yo pas gain confiance dans la justice. La vie moun pa gen aucune importance dans société pa gen koto ye jounen jodi yo capable nan sécurité. Pour qui ça? C'est parce que pour voir ça depuis le monté li investi plus nan gang nan retirer la vie moun au lieu que yo travaille pour renforcer institution. Voilà donc pour déclaration directeur exécutif réseau national Cap Défense droit monde RNDDH n'a parlé là de Pierre Espérance gagné émission et commission épiscopale justice à Clapet qui lui-même tout dénoncé passivité autorité dans l'état au gagné par rapport avec dossier insécurité à Cap Valais terrain bien sérieux dans pays a responsable c'est Gilap là Jocelyne Cola Noël rete coin c'est parce que gagne gros autorité dans l'état qui trempé fond dans question insécurité à qui la cause problème ça gagne difficulté pour l'adresser madame Noël mandé toute autorité qui concerne pour agir pour freiner phénomène ça dans pays d'Haïti Jocelyne Cola Noël. Même si la police dit la agit, la prend disposition, la fait, la mener de opération, tout ça, ça peut avoir un effet qui permet de craponner mon ami qui a fait ferraille. Ça peut avoir un effet qui empêche mon continuer
a tombé en babal dans différents côtés dans pays a parce que nous avons tendance souvent à parler sur Port-au-Prince et mais c'est pas Port-au-Prince seulement dans dernier temps ça qui et qui a côté des monde qui victime en babal donc ou, dans différents autres départements cap-haïtien et Port-de-Paix plateau central donc gain de zone dans pays a qui débouché sur plusieurs l'autre département tant que Saint-Michel de la Talaye donc nous fait ce temps de ça qui se passer dans Saint-Michel de la Talaye et de temps en temps tout kounya nous commencé à pétendre zak assassinat qui a fait dans la Tibonite et pour nous citer ça seulement et ça veut dire et question insécurité en tout cas question violence à criminalité a li apelaité coli la paix gaillé dans différents et coins pays a dans différents départements dans pays a surtout grand vidéo et c'est une situation qui vraiment inquiété nous. Il y a des autorités en de pays qui a mêlé non alimenté violence avec criminalité ya. Donc pour nous mêmes c'est ça qui fait situation plus compliquée li plus difficile et là nous mêmes ça nous a dit n'a demandé encore une fois autorités qui nan niveau ministère la justice qui nan niveau et la police là qui nan niveau et ministère intérieur yo quand même gen yon responsabilité pour yo capable combattre violence avec criminalité a kap fèt la. N'a toujours été dans même chapitre ça au question sécurité à ka question et zak ka déjà ka kap fèt. Eh bien Jean ça t'ai annoncé dans titre journal là sur initiative étudiant université Kiskeya plusieurs centaines monde pile béton hier dimanche là pour dénoncer zak ka violence tout coup ka déjà ka fèt sous mesdames yo yon activité qui était joine dans backup plusieurs organisations femmes tout coup Sofa ak Neges Marron. On suit un reportage sur comment marche la lui-même teye dans la Report au Prince hier dimanche 26 mai avec collaborateur nous Jean-Philippe Marseille. Li fait 10 heures matin nous dans la cour université Kiskeya étudiants défenseurs droit monde toute qualité secteur réuni dans espace là maillot blanc fait quelqu'un ak pancarte dans main ou capable li plusieurs messages tant que nous pas faire silence à baka déjà qu'il a trié 10h15 yo décidé déraper et Pascal Soulage a bay première déclaration ak en pile émotion dans voile l'a expliqué ça que mettez au sous béton gros dimanche ça n'a marché parce que c'est deux fois nous n'a marché pour nous pas faire silence nous pas faire silence nous pas faire silence nous pas faire silence n'a marché pour chaque monde victime déjà n'a marché pour chaque monde qui est pour la victime encore n'a marché parce que nous pas capable encore n'a marché pour nous dire non en avant en avant. Après quelques minutes de marche, là, il arrivé dans Rimon Joli. Puis, bah, qu'est-ce qu'il y a, côté 17 mai passé, à, plusieurs malfrats t'es violé des jeunes étudiants, yo. Féministes, là, passé prend. Certaines réflexions tête chargée, qui souvent cherchent prétexte, et même qu'on baille victime, yo, responsable, Zach, sans pareil, si là. Je n'ai jamais dit, là, pas de connaître déjà que c'est un crime, pas de aucune responsabilité, non, un sac de viol qu'elle subit, c'est un sac. Li vit dans le col, li vit dans le mental, li vit dans l'esprit, li vit dans la psychologie, li vit dans le monitel, li vit dans la dignité. Je ne dis pas, quand nous tournons des âmes, répression contre nous, pas de rien qui t'a justifié viol, pas de rien qui t'a justifié qu'à déjà, pas de rien aucune responsabilité dans le viol, nous subis. Nous pas faire silence. Si t'es gain en pile étudiant dans ma salle, comme ça t'es gain en pile maman qui a abandonné gâteau sous table, belle flèche toute calté dans l'occasion fête maman qui t'es plutôt vinn marcher pour dire non. Ka déjà pas ka tourner normalité parmi toute l'autre dans pays a Colette l'espinasse yon maman même Jacques toute l'autre yo qui t'est décidé mettre main en patte là pour accompagner mesdames yo et nous te dit plus bel cadeau nous pa bay maman yo pour jou fête maman et mettez montrer maman yo que nous pas d'accord avec ça qui passe petit yo ou maman qui redi qui vend qui pote chaille dans marché qui bourriqué monter des femmes pour faire études petites, pour payer l'école, juste tant qu'arriver à l'université, et puis pour malandrer
apprendre. Comme nous dans la rue, c'est la faute de l'école pour lui mettre la patte sous lui, pour détruire toute existence. Nous disons que ça pas fait. Pour tes statues, continuez à marcher, passez prendre une autre branche en bas lumière rouge bonat comme non. Slogan ou pas changé, fok insécurité sous toute forme sa akaba. Rive sous place constitution sous champ de masse, message la ticlé. L'État doit prendre responsabilité pour stopper phénomène cas déjà là et puis faire mes vannes sans. Après la Saline, Tokyo, UP, Université Kiskeya, c'est une institution qui si bien bas Zaksa à cause de plusieurs étudiants qui passaient en bas mes effets ici. Dans ce sens, Rectorat Université à Jacques Lumac, mandé autorité ou prendre responsabilité pendant eux-mêmes, ils déjà adopté quelques mesures en conséquence. Nous mettons navette chaque 20 minutes entre Kiskeya et Digicel. Nous permettons de traverser le corridor dangereux. Nous avons aussi pour faire route par corridor. Pas passer derrière Montjoli, pas passer derrière Villa Rosa. Ça, c'est le deuxième. Ensuite, nous mettons caméra surveillance dans tout le pays, comme ça devant. Ensuite, qu'est-ce que ça nous fait? Bon, EDH, bonne coopération. Le premier ministre a visité une université, by EDH Lord pour renforcer l'éclairage. Insécurité a perdu frein dans la société haïtienne depuis quelques temps. Personne, par contre, qui s'est pour y aller encore. Pendant que vous êtes arrivé la caillou pour vous baigner, manger, étudier l'autre stratégie pour forcer l'État à prendre responsabilité, vous inspecteur police déjà bien ensemble en bas pompe Sainte-Thérèse là dans Pétionville. Il recevra plus passer une dizaine de cartouches, ça qui vient longer liste policier qui déjà tombé pour seulement moi, Méa. Jean-Philippe Masséan, Radio Méga. Merci en pile, Jean-Philippe Masséan pour.